Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui les gars, on va se tester ensemble le nouveau skin. Donc on va l'acheter en même temps, donc c'est le skin Terreur Désert. Donc logiquement je crois que c'est l'avant-dernier skin qui vont sortir sur tous les skins qu'ils avaient fuité auparavant sur le site de Fortnite Intel. Il manque juste le skin de la cape, mais le skin féminin. Il y avait eu le skin masculin qui était sorti il y a pas longtemps. Il manque juste le skin féminin et logiquement il y aura tous les skins qui avaient fuité qui seront sortis. Et du coup je suppose qu'il y aura sûrement d'autres skins qui vont fuiter. Je vous ferai bien évidemment une vidéo pour les présenter. Alors du coup, comme vous pouvez voir, c'est un skin légendaire, donc Terreur Désert. On a également aussi la petite bonbonne derrière qui est plutôt stylée. Donc c'est un skin un peu, ouais, période un petit peu de la guerre mondiale je suppose. Avec les manteaux et tout, on reconnaît un peu. Donc on va se l'acheter du coup. 2000 V-Bucks, let's go. Voilà, nickel. Bon, je vais pas prendre la pioche parce qu'elle m'intéresse pas trop, mais elle est quand même sympathique aussi, vous voyez, avec les petites hélices militaires et tout. Très sympa, franchement. Alors, est-ce qu'il est déjà mis dans le casier? Ouais, il est déjà mis dans le casier. On va garder le petit truc de dos. Ouais, on va garder tout ça. Et du coup, les potes, on va se lancer une petite game en solo. Bon, du coup, les gars, on est parti pour la petite game. On va aller sur Retail Row. Let's go. On va voir ce que ça va donner. On va tester tout ça. Bon, du coup, le skin est sympa. Hein. Franchement, moi, j'aime bien. Après, je vous avoue que le sac à dos, je pense que je le prendrai pas. Parce que bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, 152... Ok, 29 de ping. Je sais pas ce qu'ils ont, les serveurs d'Epic Games, mais je crois qu'ils doivent un peu bugger. Parce que ce matin, j'avais été déconnecté. Et là, des fois, il y a des duels aux pompes où ça bug à mort. Et des fois, on comprend pas trop ce qui se passe. On verra bien. Il y a beaucoup de monde ici. On va peut-être aller dans la maison. Petite maison niche. Un sniper, c'est pas ouf. Petit pompe. Ok, nickel. Hop. Il avait un pompe lui aussi, ok. C'est pour ça qu'il est venu me rusher. Bon les gars, les bombes empoisonnantes, oui je disais, c'est quand même assez fort. On va les prendre. Je trouve que c'est même un petit peu trop fort personnellement. Au début je pensais que c'était pas si cheaté que ça. Mais en vrai je trouve ça quand même très fort parce que ça met 10 de dégâts par demi seconde. Ça veut dire que vous prenez 100 de dégâts, enfin 20 de dégâts toutes les secondes. Donc ça fait assez mal. Alors, essayer de voir où est-ce qu'ils sont. Je fasse gaffe quand même, j'ai pas essayé de mourir dès le début. Ok. J'ai pas très bien joué, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien savoir des pompes chasseurs. Il y en a un là. Hop, il nous en faut un deuxième. On va faire ça. Il faudrait un deuxième chasseur. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Il y a un mec qui tirait, je crois qu'il était pas loin de moi. J'aurais dû prendre notre kit, c'est pas grave. C'est pour par ici. Je suis pas très bien là. On a eu chaud. Là, je vous le dis, le pompe auto, moi je suis vraiment pas fan. C'est vraiment l'arme que je déteste. Mais bon, on n'avait pas le choix, on n'avait pas cette arme. Là, on sera mis avec des chasseurs. Très bien, très bien. On va s'avancer un peu. Et on va essayer de farmer un peu la constru en même temps. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler également aussi, apparemment. Epic Games voudrait modifier leur système de la méta. Et apparemment, ils voudraient faire une grosse modif aussi sur les constructions.
de ce que j'ai entendu parler. Et logiquement, en gros, en fait, on aurait beaucoup moins de construits qu'avant. On aurait une limite. Enfin, à mon avis, en gros, on pourrait peut-être plus avoir 999 de construits. Et probablement, peut-être que la construction rapportera moins quand on tapera des arbres et tout. Ils ont envie de changer le style de jeu parce qu'ils disent qu'apparemment, il y a d'autres mécaniques pour gagner. Et pas seulement comme ça qu'on peut gagner. Donc, on verra bien. Moi, je vous avoue, ça m'embête un peu parce que je trouve que le charme du jeu, c'est bien, c'est principalement la constru. Donc on va bien voir. Hein. Il y a un mec dedans. Et voilà. Quand t'es dans un bâtiment, t'es complètement mort. Tu peux rien faire. Mais ouais, du coup, comme je vous disais, je trouve ça un peu dommage. Donc on verra bien après. Est-ce qu'ils vont nerfer beaucoup? Est-ce qu'ils vont limiter à 500 les construits? Je sais pas. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est un peu... C'est un peu dommage parce qu'il y a des gens par exemple qui jouent beaucoup avec les build fight et tout. C'est des mecs qui ont besoin au moins de 1500, 2000 de construits pour faire des gros fights et... Oh, il m'a rasé lui. Et du coup, c'est un peu dommage. Je crois que je suis mort, les gars. Très franchement. Si ça rentre, ça, je suis mort. Je suis en train de me spammer comme un fou. Lui il va être chiant. Il va être très très chiant lui. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il me rusherait pas? Il a pas l'air de me rusher. C'est assez bizarre. Le problème c'est que si je me monte je suis mort. Vu comme il m'a laser, il m'a bien démonté. Ah il est là. Je crois que c'était lui. Ah non, c'en a un autre derrière. C'est lui, ça, par contre. Nice. Ok. Moi qu'il est encore en haut. Je pense pas. Oh non. Il s'est arrêté au moment où j'ai voulu tirer. Il a eu l'instinct. Bon, lui, par contre, il connaissait pas les constructions. À moins qu'il en avait pas, peut-être. Je sais pas. Oh, ça se fight là-bas. Ah oui, ils sont tout en haut. C'est chaud. Il a pris des petits coups, mais il est pas mort. Lui, il est ultra low. Ah ouais. Non. Il m'a mis la dernière balle. J'ai trop le seum. Non mais non, j'ai mis une balle à 10 je crois. J'ai mis une balle à moins 10 je crois. Je suis trop deg. Et le lance-roquette qu'ils ont nerfé en plus pour que ça fasse moins de dégâts et tout. Je suis deg. Je suis dégoûté. J'ai trop le seum. Non, ça saute pas. Ah merde, je suis pas bien là. On va se barricader les gars. Le truc c'est que je veux bien prendre la hauteur mais ça va être chaud. Ça m'embête un peu de faire ça. Parce qu'il y a l'autre mec qui tire au snipe, je sais pas où il est lui non plus. Ah ok, il est là lui. Non. Je suis trop nul. La zone. J'ai récupéré au moins le truc, c'est bon. C'était chaud ça. Je suis très très nul niveau construit là par contre. On va faire ça. Ok. Attends, juste qu'il pique un peu.
Ah, il aurait été là, il aurait été pas bien. Je crois que ça touche là, peut-être. Même pas. Il a pris une tête. Je crois qu'il se fight. Peut-être lui qui a tiré dans le vide. On va le rusher, les gars, vous savez quoi? J'essaie de faire le fou, mais bon, on verra bien. C'est mon kill! Allez hop. C'est mes deux kills maintenant. Ah, ok, je l'ai eu. Attention, hein. Et la petite victoire, les gars. 12 kills. GG. Bon, c'est cool. On a bien joué. Ah, j'ai eu un peu chaud en vrai, hein, mais comme c'était mes premières games, ça va. On s'est pas trop mal débrouillé. J'arrive même plus à parler. Bon, bah, nice tout ça. Hein. Petit 12 kills. Ça fait plaisir. Et bah, écoutez, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, les gars, moi je vous dis du coup à la prochaine.